re-YouTube. Nous allons voir ce qui se passe après le labo et ce combat incroyable contre Dr. Fetus. Il va y avoir des discussions très intéressantes. Oh, Chrono Trigger! Oh là là, mais c'est vraiment un jeu incroyable. Meilleur ref. The End of Time. Balthazar. Bon alors, au lieu d'avoir sa petite bulle de morph qui pète parce qu'il se réveille, il lâche un gros prout. Très bien. Et c'est Brownie, oui, tout à fait. Des souvenirs terribles à venir. Voyons voir ce que ça donne. Koichi Sugiyama a 90 ans, Dragon Quest. Ah merde. Mais il est pas un peu fâcheux sur les bords, Sugiyama. Je sais plus quoi. Je crois qu'on m'avait sorti un bail de ouf. Mais ça se trouve, j'invente et je mélange. Ok. Oh là là, ça me rappelle Céleste, là. Je me sens pas bien. Ah oui, ça me rappelle de plus... Hein ? Comment je module, ça ? Alors attendez, c'est pas une vanne, mais je module en faisant des 360 degrés. Mais je crois que c'est pas une vanne, hein. Ah non, juste vers le haut et bas. C'est moi qui pète un plomb. Ok. Oh, dur. À gauche, il y avait un truc. Sinon, je... Ah, mais il y a un trou, là. Ça passe. Sinon, je vais là. Ok. Vu. Il y a un truc à gauche sinon. Non, c'est juste ouais, la perdition quoi. Ah! Putain. Attends, mais du coup j'en ai rien à foutre quoi. Tant qu'à faire. Oh regardez. Le speedrun. Ah ça c'est dégueulasse parce que est-ce que j'avais moyen de le savoir avant que ça soit un drame? Mais attends mais... Ah oui d'accord. Hein? Ah mais attendez, je peux cancel? Non? Ah, ok, j'ai. Ah non, il y a que le bas qui marche en fait. Non ! Non ! Je laisse appuyer. Non, pas tout de suite. Je laisse appuyer vers le bas là. Oh non, non pas ça. Non, par pitié, pas ça. Non, j'ai appuyé, nique c'est grand mort. Pardon. Thank you.
Non, la Tetsin. C'était parfait pour la Tetsin. Attendez. Ouais, mais ouais, de toute façon, j'ai pas le reste, donc bon, c'est pas grave. Mais non. Je suis pas énervé. Mais con de toi! Ok. La Tetsin. We got the Tetsin. C'est quoi? Ok. Le time warp. Au secours. Non. Ah oui, parce que sinon la gravité me baise. Au secours. Et quel intérêt? Pour ça. Help me. Mais non, mais il a pas pris. Du coup, on s'en fout. Ok. Help me God. Mais con de toi, con de toi, con de toi. Mais non! Attends, mais quand j'appuie vers le bas, en fait, ça cancel ce truc-là? Non, pas du tout. Ok. Hop, et là, je plonge. Ouais, il faut pas que je touche la corniche, sinon je plonge dans le bloc. Ok. Eh ben, j'ai pas hâte de voir le boss. Maintenant que j'y pense. Oh, trop beau. Mais... mais oui, mais c'est pour ça que... Ok, faut bien que je le tape en haut. Oh non. Oh non, 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 ça cumule trop, là. Mais non, c'est de la merde. D'accord, marrant.
Selon comment je le tape, il s'allonge. Donc on peut le faire allonger en hauteur aussi. Et là, vers le bas, il va s'allonger. Ok, oh là là. C'est énervé. Wow! Ok, I'm a gamer. J'étais un gamer. Ah mais c'est bon, j'ai passé le checkpoint. Je suis un gamer, donc validé. Dommage. La Tetsin! Oh la Tetsin! Ok. Ça va être chiant. Surtout qu'il faut la valider derrière. Mais, ah oui, non mais en plus c'est une Tetsin feinte. Mais attends, mais comment je fais si j'ai pas le Shoryuken derrière? Ah oui. Di-du-di-di, di-du-di-di. Ah ça y est, ça c'est de la bonne musique qui va rendre dingo ça. C'est parfait. Comme ça. Oh oui, la Tetsin. Non. Ok. Con de toi. Ok, ok. Elle vit plus la merde. Attends, mais... J'avais compris et maintenant j'ai plus compris. Ah, j'en ai pas besoin en retour. Et comment je fais pour... Attendez. On va réfléchir. Non, mais faut que je saute dessus. Bah bien sûr. En fait, j'ai failli le faire tout à l'heure. Il y a eu accident. Non, mais par contre, il faut absolument pas que je reprenne le truc. Ok, non, mais c'est simple. Ok. Mais reprends pas le truc, con de toi. Le prisme jaune, il sert à ce que... Quand j'active mon point ici, j'aille à l'opposé. Mais non, mais ça va pas. Si ! Non, mais non ! Parce que j'aurais quand même besoin de mon point inversé quand je touche l'idiot. Attendez, je suis en train de péter à une durite. Oui, j'aurais pas la hauteur. JPP. Ok. Ah mais non, parce que c'est pas une plateforme, il passe à travers si je l'active pas.
Le problème, c'est que quand je l'activais vers la droite, il était pas assez haut. Attendez, pourquoi ? On voyage, hein ? Oh putain ! Je peux arriver, je peux y arriver. Attendez, attendez, il y a... Qu'est-ce que je comprends mal ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Mais non, moi. Attendez, non, mais c'est tout con. Ah, mais là, je pouvais... Ah, je pouvais arriver jusque... Je pouvais revenir... Ah, mais si je reviens vers la droite... Ça suffit pas. Quand bien même, et puis même, j'arriverai pas à faire mon aller-retour. Si, bien sûr. Ok. Je pensais qu'il y avait pas le temps, mais il y avait le temps, en fait. Ok. Hein ? Oh oui, génial, Megaman ! Au secours ! Les plateformes qui... Ça s'en va et ça revient ! Quoi ? Oh non ! Non, non ! Attends, il me fait... Il y a plusieurs patterns en plus ? Non, c'est juste qu'il s'en va 2 secondes, quoi. Non, c'est à chaque fois que je saute. D'accord. Ok. Bah, c'est plus simple que prévu, alors. Ah, Ah, c'est à chaque fois que j'utilise le point, même en allant vers le bas, etc. Oh, j'ai envie de mourir. Et ça me tue. Oh non! Ah, ça me bute! Ah, mais si je réappuie, même. En fait, c'est à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Si je spam là. Ok. Pas mal, pas mal. Ah, mais ça, c'est différent. Ah, ça, c'est quand j'appuie vers le bas. Ah, c'est ça? Trop marrant. Hop! 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 Oh, c'est génial comme mécanique. Ah, oh là là, oh là là, oh! Non, mais... Oh putain, et y a les trucs qui deviennent picots. Mais comment je fais là? C'est bien vers le... C'est bien vers le bas, hein. C'est mon seul... Oui, vers le haut, ça marche pas. Ok. C'est incroyable. C'est horrible, mais c'est incroyable. Oh oui, que j'ai. Non. C'est pas très visuel, mais en gros, faudrait... C'est un de ces jeux où avoir les inputs montrés à l'écran serait intéressant. Parce que là, en gros, je dois faire bas, saut, 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 bas, saut, bas, saut... Ah, putain. Donc à chaque fois que j'appuie sur bas, ça fait disparaître... Ça change le cycle des roses. À chaque fois que j'appuie sur A, ça change le cycle des verts. Ok. Putain.
Et voilà, et là, faut que je réappuie vers le bas. Ah oui, mais si je réappuie vers le bas, il disparaît. Mais attendez, mais... Donc, je suis obligé de passer par le haut ? Et si je spam bas, ça marche, hein? Si je spam bas? Non mais c'est pas possible. Non mais ça peut pas être ça. C'est complètement... Non, non, ça serait stupide. Ah mais non, mais... Si je dash très tôt, j'ai pas besoin de rappuyer sur le bas. Mais si! J'ai besoin d'appuyer sur le bas pour me baisser là! Et donc c'est impossible! Attendez, si c'est possible, mais ça va être chiant. Non, pourquoi j'ai sauté? Ok. En fait, il faut que je laisse appuyer là, tout du long, vers le bas. Ok. Et il faut que je réappuie pour les puncher. Attendez, mais je suis plus... On est bien d'accord que oui, après c'est bon, c'est de la plateforme stable. Waouh, c'est incroyable cette idée. J'ai envie de leur chier à la gueule, mais c'est incroyable. Ok. Waouh, ok. Ah, c'est incroyable, parce que du coup, tu te retrouves pour la première fois à pied vers le bas à des moments où t'en as absolument pas besoin. Ah ouais, c'est du génie. Merci Mobilette Zizi pour le Prime. C'était A+. C'est quoi ça? Oh là là, encore inspiration Megaman encore. Donc la prochaine fois que j'utilise mon point, je pose un bloc. Oh là là, mais ils sont fous. Ah, c'est fini. D'accord, ok. Pourquoi il les valide pas? Mais ma vie est un océan de merde. Ok. C'est pas grave, on va trouver une solution, voilà. J'ai pas pris mon bloc. RIP. Attends, du coup, ça a un rapport avec le truc des blocs là? Le cerveau commence à être en ébullition. Et du coup, ça a fait disparaître l'autre bloc. Ouh! J'ai une idée avec ce bloc-là, mais du coup, il faut... Ouais, ouais. Si, attendez. L'idée est bonne, je pense. Il est parti! C'est quoi les blocs en bas de mort? Incroyable. Ok. Et le pire, c'est que vu qu'on est toujours en mouvement, on n'a pas le temps de se poser et se dire « Ah, comment je vais faire ?»
Sauf si on met pause, quoi. Mais bon, moi je reste direct dans... Je reste dans la sauce. Ok. Plus haut encore. En vrai, on tient un truc avec ça, non? Mais si je le mets plus haut, je peux plus l'exploiter, non? Et en plus, ces plateformes à pic. Qu'est-ce qui se passe si je reviens? Ah bah non, ouais. Je peux pas revenir de toute façon parce que... Ah, ou bien j'emmène le bloc en bas. Ouais, mais le problème c'est que... Attends, mais ils veulent juste que je reproduise le schéma de merde peut-être. Mais non, mais je peux pas. Parce que déjà, je pourrais pas faire 12 000 allers-retours. Et de toute façon, quand je pose un bloc... Il s'en va. Ah, peut-être que... Peut-être ça va changer, justement. Ouais, ça doit être ça, mais... Mais faut pas que je le prenne là, c'est... Quoique si, j'en ai besoin aussi. Si, je peux le prendre comme aide, là. Mais non, mais connard. On va tenter d'en poser un là-bas pour voir s'il se passe quelque chose, si on a un feedback, quoi. Attends, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Et ça dure deux... Ah mais oui, ça me permet de me baisser derrière, idiot. Ok. Oh là là. Quelle aventure. Incroyable. Ah, il y a des idées toutes les deux secondes, hein. Des idées perverses certes, mais des idées quand même. Ok, par pitié c'est par là. Oui, ça marche. Ah non. Ok. Envie de rejoindre Papa Johnny. Ok. Attendez. Mais... Oh, le gamer. Ok. Ah oh oui, d'accord. Oh, ok. Ah mais non, mais non. C'est pas possible. Ça peut pas être ce que j'essaye de faire, sinon c'est vraiment des malades. Parce que le seul moyen que je puisse choper ça sans Shoryuken, le bloc, c'est de sauter et insta-dive. Tout en esquivant le pico. Chose que j'ai réussi à faire tout à l'heure, je ne sais comment d'ailleurs. Ah non, ok, vu. Mais non, mais ça, non, pas vu. Ah si. Ah mais j'ai... Ouais, ok. Youhou! Oh, incroyable ça! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Je le referai jamais, hein! Merde! Sublime! J'ai craqué. J'avais pas vu la suite, moi.
Le temps. Oh non, fallait freeze le temps. Oh ya 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 ya. Et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'avoir le. Putain, mais niveau timing, c'est infernal. Je peux le faire, vraiment. Faut que je le pose au dernier moment, ce que je viens de faire. Ah ! Pardon. Incroyable. Ok. Ouh. Mais pourquoi il a tracé comme ça, comme un con, alors que moi je voulais juste qu'il saute. Il a fait un punch. C'est que... un time pour ça. Non, c'est où que ça se passe du coup? C'est là, forcément. La tétine! Mais comment on prend la tétine sans que ça soit un plan cul? Secours! Je voulais avoir le rebond derrière, c'est pas grave. Ingénieux, ingénieux, hein, toujours. Rien à dire. Ça, c'est con. C'est pas grave. Tant que j'ai ma tête saine. Ah oui, d'accord. Il y avait des ronces là. J'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance tout à l'heure, parce que j'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Et en fait, ces ronces sont trop chiantes. Bon. Ouais, non, parce que je pouvais poser ce bloc. Ah, c'est le nouveau Cotton Ali. C'est la nouvelle musique de Cotton Ali, finalement. Une musique qui touille le cerveau. Un peu moins kawaii que Cotton Ali, je vous l'accorde. Attends, mais comment j'ai fait tout à l'heure pour le prendre sans que ce soit un plan cul? Ah bah c'est simple, je dive. Désolé, hein, je veux ma tête saine. Mais JPEP. Officiel JPEP. Execute. Mais oui, mais le problème c'est que je peux pas toucher le bloc. Parce que si je touche le bloc, je peux plus dive. Et ma vie est dégueulasse. Comprenez-vous? Ah mais je l'ai pris, ce bruit là, c'est que je l'ai pris ou qu'elle a disparu? Parce qu'elle est sous timer. Mais comment j'ai fait pour l'avoir tout à l'heure en mode easy, t'inquiète. Si, faut que je dive et que je replonge en fait. Ok. Tout est pardonné. C'est bon. Oh non, mon ranking va baisser à cause de la tétine. Je suis en train de mourir 10 000 fois parce que je la veux. Non mais c'est chaud, ce que j'essaie de faire est chaud. J'ai chopé une go-go danseuse et ça se croit chaud.
Ah oui, ouais, 3. Ah, le problème, c'est que je suis obligé de dive pour revenir. Mais comment j'ai fait tout à l'heure? Je comprends même pas comment j'ai fait. Parce que ce que j'essaie de là, c'est de faire un dive annulé, cancel par un coup de poing. C'est ce que je dois faire en vrai. Ah, c'est ce que je dois faire. Regardez, c'est ce que font les vrais gamers. Je suis obligé de prendre appui sur le bloc 3. Ça, c'est de la merde. Mais on est d'accord, je peux cancel mon dive par un punch, oui. Et vu que j'ai touché le mur, normalement, j'ai récupéré un saut, c'est sûr. Enfin, un coup de poing. C'est lent. J'allais sauter sur le bloc du milieu. Mais déjà, il faut qu'on arrive vite. Tout ce truc-là est un plan cul, hein, sachez-le. Ah là là, mais tout ça à cause d'une tétine, quoi. On avançait bien. C'est imminent. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Got it, we got it. Ladies and gentlemen. Oh, quoi. Ah non, mais même, parce que si je fais mon punch là, du coup après je me trouve dans la merde. Bon, vous savez quoi, Nick la tétine, c'est décidé. Non mais je dois quand même aller en bas. Ça n'enlève pas le problème de je dois quand même aller en bas. Alors quel est le meilleur moyen pour que ce soit pas un plan cul? C'est ça qui est pas clair dans... Je voulais pas faire ça. Non. Ce solo endiablé que vous adorez déjà toutes et tous. Voilà. Et connard de con. Ok. Au secours. Ouais. Ok, je vois où tu veux en venir. Ok, je veux que ça s'arrête. Fallait que je le reprenne. Fallait que je double. Double up, double up. Ok. T'inquiète pas, je gère. C'est court. Là, on est dans la vraie lobo, là. Celle qu'on aime pas. J'aurais pas dû essayer de prendre cette tétine, ça a tout foutu en l'air. Mais quel con. Ah oui, en plus, oh là là, ok. Bah c'est, ça c'est bien, oui. C'est bien qu'on soit concentré un peu sur ce qui se passe en bas, parce que... Secours. Ok. What? Énorme. Ok. Comment je la défonce? Comment je la défonce celle-là? Ah d'accord, ok. Oh, c'est génial. Ok. Tout d'un coup, il décide de nous faire un niveau cyclique. Ok, trop marrant. Putain, faut que je saute en prévision de la merde. C'est énorme. Ils ont pété une durite. Ok. Ok. Mais oui, mais merde, faut que je m'occupe de cette araignée de mort. Non. Ah oui, du coup, je ressors en haut. Au secours. Ah, quoi, il y a les plateformes où il faut appuyer vers le bas et c'est de la merde.
Au secours. Ok. Non. Ah non, mais il faut que, ouais, faut que j'aille du bon côté quand même. Mais du coup, ils sont plus là. Ah, t'as dit du coup. Bon bah, je me bloque pour repartir à droite. Il est où? Mais non, mais con de moi. C'est marrant, pourquoi au try d'avant, il avait pas respawn lui. C'est pas grave. Il y a 2 secondes, on s'énerve pas. Je sais ce que je vais faire. Tu te casses, tu reviens. Ah oui, et du coup... Ah oh, oh, oui, non mais c'est bon, c'est juste, il faut juste diviser son cerveau en 4. Si on arrive à diviser son cerveau en 4 parties distinctes, ça passe tout seul. Ok. Mais connard de toi. Non, oh non, oh, au secours. Non, je suis où? Ok, ok. Non mais ça va être un drame, ça va forcément être un drame, ok. Mais non mais parce que je veux pas aller... Donc tac. Vas-y connard. Oh là là, mais... En fait... Ok, ça me saoule. Voilà, là on est bien. Le problème c'est que si je fais juste un hit, ça va mal marcher. Oh là là, je suis en train de prendre de l'hyper vitesse là. Voilà, parce que je fais le... Oh là là. Parce que je voulais faire le punch vers le bas, mais... Quoi, ça revient? Ah oui, parce que du coup c'est l'embranchement infini de l'au-delà de mon cul. Donc ouais, elle est revenue là, on l'a... Mais putain, mais nique-toi! Pardon, excusez-moi. Ok. Ok, je saute. Non. Voilà, tout mais pas ça. Quoi? Ah, j'ai réussi à me tuer sur mon respawn en appuyant vers le bas. Regarde, qu'est-ce que je fais? Ok. Voilà, comme... Non. Connard. Moi, ça m'arrangeait bien. Qu'est-ce que je te demandais de faire? Attends. Je suis pas du tout en train de péter une durite, hein, je vous rassure. Non, en vrai, le mieux, c'est que voilà, j'arrive comme ça. Sauf que là, ça va trop vite, donc je veux que ça s'arrête. Non, mais... Connard de toi. Voilà. Non. 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 Mais ça marche pas du tout ça. Il y a des glitches là. Il doit y avoir une warp zone dans le coin. Non non, ils vont pas me demander de faire ça. Non non, par pitié. Non mais oui d'accord, ok bon bah ah. Est-ce que je peux le faire le saut en diagonale qu'il me proposait? Mais ok, 2 secondes. Non, fais pas ça, je t'en supplie, fais pas ça. Ok, bon bah on repart par là, visiblement. Et non mais du coup je dois refaire cette merde. Voilà, ça... Mais oui, mais ça c'est très bien. Ah oui d'accord, je me suis vraiment pris... Comment je me suis pris la tête, un truc de malade. Vous comprenez pas, parce que nous... Nous les gamers, avec ce jeu on peut pas faire pause. Donc c'est l'angoisse la plus totale. L'oppression est absolue. Je m'en fous, mec. Secours. Non. Okay. Je peux pas le choper parce que... Voilà, j'ai...
En fait, est-ce que je veux revenir? Parce que là, je peux le choper directement, mais je sais pas si le Shoryu là. Ouais, il m'aide absolument pas. Donc, faut bien que j'arrive de la gauche. Et que je le Shoryuken. Ok. C'est. Je vous jure, faut s'y faire. Le jeu nous a pas habitués à cette mécanique. Maintenant, on est dedans, quoi. Maintenant, on est dedans, y a plus d'embrouille possible, hein. Connard. C'est bien ça que je dois faire, hein, j'en suis convaincu. Ok. Donc, on y va. Je prends ça. Je rebondis. J'utilise. Hop, je reviens. Connard. Heureusement que la musique est là pour m'encourager. Combien de fois? Non, mais le problème, c'est que j'ai peu de... Putain, il faut laisser appuyer sur la transition d'écran. Sinon, on se fait baiser comme tout à l'heure, hein, d'ailleurs, de toute façon. Ça, les règles n'ont pas changé. Est-ce que je peux pas le garder? C'est si je punch. Ou sinon, j'accepte de faire ça. De le faire là. Ah, mais c'est bon, il y a la plateforme à gauche. Ok. Je pensais que j'étais obligé de le faire en venant de la gauche. Oh non. Par là. Oh, pourquoi il y a lui en plus? Non, mais je peux même pas le choper lui, alors qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit là? Eh, il me donne un pouvoir boule de feu en plus. C'est marrant ça. Mais comment je chope ce truc là? Et si je vais vers le bas, j'arrive en haut? Ok, repars par là. Reviens, va et défonce-le. Ok, waouh, énorme. Oh la toute. La toute. Prends la toute. Ok. Prends la teute. Prends la teute. Surtout qu'elle va se déplacer. C'est une qui se téléporte, ça. Mais je pourrais jamais avoir la teute. Mais je peux tomber, idiot. Elle est où? Elle est partie où? Elle s'est barrée où? La teute. Non mais non, la teute. Non mais... Oh tant pis. Ah, je l'avais eu. Ah bah c'est con. Non, pour moi, derrière elle partait en bas du niveau, mais ok, tant mieux. Ah, un boss. Ça y est, putain, on y est. Oh, c'était infernal. Allez, on va jouer avec Granny. A priori, on m'annonce un certain calvaire. Zeldo. Oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Oh non, mais non, pas Andros. Ça, c'est fort de fruits. Ou les mains de mort de Mario. Enfin bref, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Ah zut, pardon. Oh non, il y a des blocs. Ok, j'ai fait un bloc. Je suis pas mort. Ah mais derrière, il y a des pics. Oh là là, oh là là, oh là là, oh j'ai mal au crâne. J'ai très... C'est très le mal au crâne, ok, donc je suis pas mort. Ah oh non, celui que j'ai... Il me protège... Comment j'ai... Ah, je peux puncher cette merde, ok. Nouvelle info. Ok. Faut pas que je rechope le bloc là en fait. Mais si j'aurais besoin du bloc derrière, mais non mais c'est pas possible, comment on fait ? Oh, je sais. Il faut appuyer vers le bas. Ok. Nice. Oh, énorme, énorme. Putain, c'est des malades, hein. C'est juste des malades, mais ok. Est-ce que j'ai envie d'être enfermé avec lui ? C'est hommage aux gens qui ont jamais lancé le jeu et qui parlaient de runner mou. Ah oui ! D'accord, ok. Très bien. Ouh, ouais, on va s'amuser. Assurément. Dommage. Hop, hop, vers le bas, on saute vers le bas, le bloc est créé. Faudrait que je la punch de l'autre côté ou faut que j'arrête plus tôt, genre maintenant. Je recrée. Ah, trop tard. Sauve-toi la vie, peut-être. Pas clair, hein. Je dois me re-sauver la vie, donc je le garde, hein. Ok, c'est pas mal, ça. Ah, dommage. Je suis dans la merde. Ok. Wouhou. Ah d'accord, fallait que ça soit instantané. Tac, tac, vers le bas, vers le bas, on crée, let's go. Casser la gueule un peu, on arrête, on jump. On recrée tout de suite, bordel de merde. J'ai été bloqué par le mur. Ah, il y a tout le... Puis il faut même avoir le timing du despawn de ces murets.
mais en fait, d'accord. Ah oui, non, c'est pire que ça. D'accord, ok, j'ai compris. Oh, et on a vu qu'il y a un étage au-dessus, là. Il y a un étage supérieur. Ça va jamais s'arrêter. Et évidemment, zéro checkpoint. Tout ce qu'on aime. Attends, mais comment je fais là? Ok, j'ai loupé une info. Je pouvais wall jump à gauche encore, un truc du genre. Dommage. Non, refais tout de suite, con! Je sais pas pourquoi elle a pas punché derrière, j'espère que j'ai pas... une limite de coup. Pas très nerveux en tout cas ce runner. Ah ouais, elle veut pas! Elle veut pas! Faut que je le pose en avance, faut que j'ai le temps de repuncher derrière. Ah mais non, ça tu... Il y a la hitbox pour juste puncher vers le bas. Merde. J'ai appuyé trop. Ok. Ok. Let's go. Horrible. Enfin, c'est tellement tight. Toujours la même problématique de vouloir mettre... une ou deux patates de plus. Ça nique tout le game, quoi. Mais non, je peux pas. Ah si, il faut que j'appuie vers le bas. Ouais, je vais appuyer vers le bas tout du long. Dès que j'ai posé mon bloc... ça doit marcher, j'imagine. Oh, mauvais. Trop tôt. Mais c'est trop tard pour des excuses. Oh mon dieu. Paf, pif. Quand on aime, on n'est jamais mou. Exact. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je pose et j'appuie vers le bas. Ok, donc je pose le plus tôt possible, j'appuie vers le bas, je ressaute et je punch. Sauvez-moi cette folie. Je suis en train de me demander si j'en ai besoin tout de suite, du coup. Vu que de toute façon, je dois le puncher lui. Donc en fait, non. J'ai pas besoin du bloc qu'il y a derrière. Je crois. Ah bah si, parce qu'il faut que je m'enferme avec lui, après. D'accord, mais je fais n'importe quoi. Ah, parce que je suis en train de réfléchir à la suite, et vu que... il y a zéro temps de... il y a zéro temps mort. Ok. Et parce que si c'est la même situation où je dois l'enfermer dans cette merde... on va voir, on va tester. On va tester. Photo. Alright. Encore? Putain, je suis en train de trop anticiper. Paf, ouf, vers le bas.
Je crée, tac. Ah, je sais pas ce que j'ai comme maladie là, je le tape moins qu'avant, alors qu'en fait j'ai le temps. Et moins le taper me fout dans la merde, c'est incroyable, hein. Mais vrai. Non. Ah putain, mais direct. Ah oui, mais je peux faire vers le bas. Ah oui, mais faut que j'arrive sur la plateforme quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 visiblement. Hop là. Non, faut juste que j'aille plus... Ouais, ok, vers le bas. Ah mais si, si je dois laisser appuyer vers le bas, ça veut dire que je dois prendre le bloc. Je suis obligé de prendre le bloc. Ils mettent cette dynamique là parce que je dois emmener le bloc. Et du coup, c'est intolérable. Mais prends ton bloc, connard! Non, j'ai trop spammé. Ah non, mais ça va être terrible. C'est d'une difficulté. Waouh! Ok. Pour moi, je dois prendre le bloc, hein. Et du coup, c'est intolérable. C'est honteux. On va essayer de s'en prendre le bloc, ne serait-ce que pour voir à quel point on va se faire baiser. Vas-y, juste pour faire ça. Et j'ai besoin du bloc, ici même. Ok, c'est la même dynamique, évidemment. Mais attendez. Ok, ouais. Juste faire vers le bas ne valide pas le bloc. Je suis obligé de réappuyer sur le bouton. Ça serait trop simple. Oui, mais de toute façon, si ça validait le bloc, je pourrais pas faire cette strat là. Magnifique. Oh mais c'est impossible! Oh là là, mais ce timing là il est dégueulasse. Et on va me le redemander derrière en plus, j'en suis sûr. Ce timing là il est immonde. Bien sûr! Ok, c'est plus simple finalement derrière. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus terrible là. L'étage du dessus, c'est incroyable. Merde. Ok. Merde, putain, je me suis... Trompé de bouton. Merde.
Merde. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. D'accord. Oh, 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 oh. Ça c'est un vrai jeu de la bonne lobotomie, tunnel vision. C'est tout ce qu'on aime. En même temps, on a speedrunné Meat Boy. Hein. C'est rigolo parce qu'il y a énormément de gens qui chialent hein, sur le fait que c'est pas Meat Boy. Et au final, je trouve que c'est le jeu qui se rapproche le plus de Super Meat Boy, même en termes de sensation et de level design de Super Meat Boy. Même genre de gameplay millimétré, saut réaction, wall jump et compagnie quoi. Je trouve que juste dire que c'est un runner, c'est d'une, comment dire, flémardise intellectuelle. Ok. Très bien. Alors. Très bien. Oh là là. Ah, Disney, ouais. Disney, c'était encore différent. Il y avait des fils en effet, Meat Boy. Bon, allez, on va se concentrer. On se concentre un peu. On n'est pas encore. On n'a pas encore assez pratiqué cette merde pour le faire en autopilot. Ouais, c'est quand même essayer de s'appliquer. Voilà. Ne serait-ce que d'arriver ici. Vrai que je saute plus tôt, mais ça fait peur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que je spam et du coup, je revalide le bloc derrière. Et ça fait disparaître le précédent. Et pourquoi il me remet... Il met un petit coup bonus, là. Il me met bien dans la sauce. Ok. Oh, c'est ce petit bras là. Hein. Oh, j'ai rien enlevé. Oh, c'est horrible. Tac, tac, tac. Ah, ouais, non, mais. Faut que je saute beaucoup plus tôt. Et ma séquence, c'est donc double A, bas double A, bas, et etc. Oh là là. Mais non, il me refait cette merde. Ok. Ah putain, ça, c'est terrible quand il me remet ce kick de merde. Oh, ça va être chiant. Hein. Que je sens qu'on est loin du compte. Le troisième étage avait l'air facile. Et je pense qu'il y a Anguille sous roche. Non. Oh. Genre s'il a une last phase où les deux mains se rejoignent et font des attaques qu'on n'a jamais vues, ça va être un petit moment Nutella. Mais putain, fais pas ça, par pitié quoi. Par pitié, arrête, arrête, alors arrête. Oh non, mais là j'ai pété un plomb. Là j'ai voulu tout mettre. J'ai voulu lui mettre ce qu'il mérite. Ok. Hop là. Oh, je sens que c'est la bonne. Ah, il y a une petite odeur de c'est la bonne là.
Vous le sentez? Ah, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Maintenant. Tout ce coup, c'est jouable en vrai. Hein. Il s'est passé pourquoi? J'ai pas compris. C'est mort. J'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est terrible. Pourquoi il y a eu ça? J'avais plus accès au bloc, donc faut que je comprenne. Si pour comprendre je dois faire ça en boucle, j'ai pété une dirite, c'est sûr. Merde. Ok. Je suis lent. Voilà. Comment je fais pour qu'il n'y ait pas ce vortex de merde Mais je vois pas d'autre issue, à moins qu'on puisse aller vers le bas. Putain. Ok ok. Putain, c'était un énième truc. J'étais spectateur de ce truc là. Mais en fait je peux jouer. C'est comme quand je vais dans les dans les petits trucs de merde là qui me propulsent. Waouh. Ok. Ça veut dire qu'il va falloir que je choisisse la bonne direction. Et je m'éjecte. J'ai envie de mourir. Hein. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je bourre toute ma vie, Il faut que je m'éjecte. J'ai appuyé trop tard. À gauche, est-ce que je dois m'éjecter à gauche? Faut tenter un truc en tout cas. En tout cas, le troisième, on peut bourrer toute notre vie et ça, c'est une bonne nouvelle. Merde. Ouh. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Je vais aller en haut à gauche. Sans trop grand, sans de grande conviction. Non, peut-être juste à gauche. À gauche. Ok. Ok, ok, fallait faire quoi ? Merde, merde, merde. J'ai posé mon bloc. What a life. Ah merde, c'était non. J'ai les mains qui commencent à être dans un sale état. Un point commun avec Meat Boy, ça aussi. Ah, il fallait rappuyer, putain, je suis con. Pourquoi je suis resté là statique? Non, merde. Oh, oh marrant. Fallait que je tombe peut-être. Ou bien c'est la mauvaise issue et je crois que je suis au bon endroit mais je ne le suis pas. Et ça serait terrible. Hein. Dans l'échelle de dégueulasserie, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a des... Non, je regardais s'il y avait une direction qui disparaissait au dernier moment, c'est pas le cas. Quand tout disparaît, c'est que c'est trop tard. J'ai quand même retenté à gauche, essayer de tomber ou une connerie du genre. Merde, j'en ai mis une de trop et du coup il me fait ça. Ensuite, s'il y avait un monde où on pouvait faire la boucle et retourner en bas, est-ce que c'est possible d'ailleurs? Je crois que j'ai même pas tenté ça. Ça se trouve, on peut totalement s'affranchir du vortex de merdier. Non, ça me semble tendu quand même. Y a pas... Les ronces au-dessus, c'est un merdier. Non, ouais, c'est un merdier. Je crois que là on peut redescendre. Merde, qu'est-ce que je fais? Mais du coup je suis... Ok, ça marche aussi. C'est juste que j'ai mis un coup de moins avant. Hein, il s'était passé un truc là. J'ai appuyé vers le bas. Non, ok, pas du tout en fait, je me suis fait baiser pareil. J'avais l'impression que j'avais mis un kick. Merde, putain, du coup, je faisais pas gaffe. En fait, faut bourrer quoi. Parce que j'ai mis un coup, il y a eu un freeze frame. Et ah, c'est parce que j'ai appuyé vers le bas.
Attends, si c'est la fin du combat et si j'avais juste à bourrer, je vais avoir le seum. Un de ces seums astronomiques. Quoique pas vraiment, parce qu'en vrai on s'est plutôt bien débrouillé. On va voir. Putain, il faut... En fait, quand j'avais fait vers le bas, ça marchait bien. Il y a vraiment quasiment pas de temps pour le tuer. Au moment où on saute, il nous bourre. Donc je vais tenter saut et direct réappuyer. Mais il y a un monde où je vais être trop loin. Et du coup, elle va pas le punch. Et je vais perdre pareil et je serai ravi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, j'ai la main en lambeau, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, du coup j'ai bourré là, et c'est pas bon. en vrai, le vers le bas était une bonne idée, et ça a marché, ça avait lancé la séquence. Oh, quel con. Ok, pas trop grave. Ça on l'a... On est plutôt régulier maintenant là-dessus. C'est à la fin, le troll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merde! Putain. Du coup, je dis ça et j'oublie d'appuyer, quoi. Sacrée chorégraphie, en tout cas. Hein. J'ai réappuyé du coup. J'ai réappuyé à droite. J'étais en train de bourrer, du coup ça m'a renvoyé à droite. Ok, donc c'est bon. On y est presque. Maintenant il faut savoir où on doit aller après. Peut-être que la main me donne un indice. Faudrait que je fasse gaffe. En même temps c'est tellement le Delbor. Faut bien avouer que j'y fais pas tant gaffe que ça. Pas sûr d'avoir un indice en vrai. Hein. Vers le haut, je vais tester. Oh putain, j'ai pas le temps en fait! Connerie, va! J'ai même pas le temps d'aller vers le haut vu que la seule input que j'ai c'est vers le bas et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à mon avis, je dois aller en bas. Au secours.
Attends, mais les plateformes se sont désintégrées, c'est ça? J'ai pas... Ah mais en fait, ok, c'est juste sa merde, dès qu'il la lance, ça détruit la plateforme. Je croyais que c'était dépendant de moi. Donc faut juste que je fasse l'escalier en hauteur, quoi. Et pas que je me fasse défoncer quand même par sa merde, quoi. What a life. Ok. Alrighty. Ça va le faire. Ok. Oh putain, j'ai failli être en retard. Vers le bas. Oh, il y a tellement peu de temps, mais quelle baiserie, quoi. Il faut spammer, mais si tu spammes, tu risques de... Au secours. Heureusement qu'on est régulier sur cette merde, parce que... C'est la crise de nerfs, sinon. Hein. Et du coup, j'ose plus. Mais en plus, je suis quasiment sûr qu'on a le droit qu'à la direction bas pour bouger cette merde. Parce que si on pouvait revenir en arrière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça serait easy. Il me semble bien qu'il y a que bas qui marche. Et du coup, c'est la panique. C'est la panique dans le slip. Ah oui, forcément. T'es en train de penser au reste et dire ma connerie. J'ai sauté trop tard. Ouais, si le premier saut est trop tardif, c'est la hesse. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paf, pif, pouf. Ça passe, oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, c'est late, c'est bon. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai spammé. Oh là là, ça y est, les doigts ne répondent plus. Les doigts ne répondent plus. Bientôt le corps ne répondra plus. Et le cœur. Ah, c'est trop. Oh, ça passe. Ok. Un. Deux. Trois. Ah ouais, il en a mis un de trop. Hop, hop. C'est bon. Ah ok, ok, putain, j'ai spammé contre le wall jump, mais c'est exactement la même mécanique, donc c'est bon, celle-ci on l'a. Ok. Oula, c'est moche, très moche. Allez, de recommencer. Donc ça c'est bon, c'est réglé maintenant. Et c'est juste derrière, on va encore devoir piffer une direction, la crise de nerfs. Si on me demande de repiffer, je tente la droite. Mais en même temps...
Faudra que je piffe au plus proche de ce qu'on me propose, vu qu'il va y avoir une demi-seconde pour le faire. Ça se trouve, faudra juste confirmer ce qu'on me donne. Et idéalement, ça sera la droite. Mais je crois que ça sera le cas, parce que ça commence toujours à droite, non? Probablement. C'est obligé, il y a un last hit avec une puterie où on va perdre et on va devoir tout refaire. C'est obligé. Ok. Obligatoire. Et c'est vrai que c'est le Light World. Mais putain, je t'ai pas concentré. C'est vrai que c'est que le Light World. C'est-à-dire qu'il y a une version dark de ce boss. Et ça, ça n'a pas de prix. En même temps, Meat Boy, le premier, c'est pareil. Hein. À chaque fois, tu surmontes un truc qui a l'air absolument humainement impossible et on te donne pire derrière. C'est du tryhard. Pur et dur. Ok. Ah oui, mais quoi que je dis, pour les boss, c'est pas le cas, oui. Parce qu'il n'y a pas de boss dans les Dark World de Super Meat Boy, mais c'était une question de temps. Question de temps de développement, ils avaient pas eu le time. Ok, attention. Merci. Oh putain, c'était ça le dernier hit. Oh putain. Lucide. Oh. Merci, merci. Et là, encore un monde. Yes ! On a juste pris 50 ans. Au secours. L'écureuil. Par le pouvoir de la teute. Ah.
Yes. Oh, ça suffit! Trop marrant, trop trop bien. Incroyable la qualité des cutscenes, hein. C'est fou. Je sais pas qui les a fait. On va le savoir. Tomir FNS, le sang. C'est lui, hein, qui m'avait envoyé au Summer Games Don't Quit 2014. Il m'avait payé une grande partie du billet d'avion. Le bro. Alors évidemment, le jeu n'est pas terminé, parce que derrière il y a tous les Dark World et la, j'imagine la vraie, la fin alternative, mais c'est normal d'avoir la fin du scénar et les crédits sur le Light World. La musique est très cool là. Ah, quand même le shout-out à Macmillan. On a vu le shout-out à Kojima aussi, hein, tout, hein. Tous les gens à qui on a pris des refs. Et yes, le fiston.
When our heroes started this journey, I don't think they... Non, le jeu, Macmillan a quitté la team Meat. Il a quasiment rien à voir avec ce jeu-là. But they traveled through a fractured timeline and punched a god. All for Nugget. Had you warned them about this beforehand, it would not have made a difference. They did what they had to do and they would do it all again. Just for her. For now though, they can live happily ever after. The end. Oh non, pas des lasers. Une base super secrète. Aïe, 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 Dr. Mad. Fetus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh non, ils vont pas me faire un monde avec des milliards de clones qui veulent ma peau. Docteur Fetish reviendra. Ah oui, il y avait déjà ça à la fin du 1. Chapter complete. Au secours. Très bien. Juste voir ce qui se passe. Ah! D'accord. D'abord, on dessine un carré, on fait la fleur. D'accord. Ah, comment on fait le bébé? Mais oui, la petite tétie. Ah merde, je l'ai passé sans le vouloir. Alors ça, c'est marrant. Le monde 2 et 3 sont bloqués, mais les 1 et 4 sont open. Ah, est-ce que ce serait pas par rapport aux Warp Zones qu'on a réussi, ça? C'est totalement ça, hein. Monde 4, on a fait la Warp Zone. Peut-être. Ouais, j'ai l'impression. Quoi qu'on n'avait pas fait le 42 000, donc... Pas impossible. Bon, on va pas le faire ce soir. On va quand même jeter un... Hydrojob. On va quand même jeter un coup d'œil à ce que c'est. Waouh, on bascule de tableau en... d'univers en... Ok. Incroyable, ça. Fait que je réappuie. Youhou! Tac, tac. Ah, il fallait... Ah putain, on était dans le monde du bug, là. Les petites lignes de code. Ah merde! L'ennemi stock, il existe quand même. Ok. Merde. Ouais, bon, c'est énervé, quoi. Marrant. Très cool, hein. C'est un jeu généreux, hein. Généreux sur le contenu. Et encore, on n'a pas vu les Dark World.
Ah oui, faut que je le punch. Ok. Très bien, très bien. Et surtout, c'est qu'une seed. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que même mes niveaux, là, de ce truc qui est bonus, c'est en rapport avec ma seed. C'est infernal. C'est bien ça, ce qui est en haut, là. Ah non, rien à voir. Ah, je me demande vraiment combien de niveaux ils ont level designé, parce que c'est furieux. Parce que si je fais une nouvelle partie... Ah, c'est ça, la gueule de ma seed. La gueule de ma seed, c'est ça, modifier la graine. Ouais, non, mais il y a énormément de possibilités. C'est débilos. Il y a combien? Il y a 16 ou un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'est ça. 16 personnages, 8 fois. Ah ouais, non mais... c'est un délire. Hein. Un gros délire. On prend un petit peu mieux. Et vous voyez là, vu que j'ai pas fait les Dark World, pas trouvé toutes les Warp Zones et les Tétines, j'en suis qu'à 40... à moins de 50% de chaque monde que j'ai fait. Donc, il y a de quoi faire encore. Et on l'a terminé en 6 heures, mais en réalité, on a fait... on a fait des boss de Warp Zone... Le truc de la Warp Zone, elle nous a duré 10 minutes. Il y a le Docteur Fœtus, on le fait deuxième try, je crois. Ça prend un peu plus de temps, je pense, si on galère un peu avec le genre, quoi. Bref, c'était très drôle. C'est excellent, excellent. Oui, alors j'espère que la sauvegarde de Epic va pas bugger, parce que le cloud, si je perds tout, là... J'ai un peu mal le vivre. Hein. 4 milliards de sites possibles. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des trucs qui se recyclent, hein, de toute façon. Mais sinon, c'est assez honteux. Des bisous YouTube. C'est de l'amour. C'est un très 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 bon jeu. C'est différent, mais c'est tout aussi exigeant. Des bisous.